Donc, je vous montre ça à l'instant que tout ça, eh oui, rentre juste ici. Frigo. Donc, tout ça, mesdames et messieurs, va rentrer dans un frigo régulier. Donc, et voilà, un frigidaire complètement organisé. Je vois tout ce que j'ai en main et ça me facilite pour faire mes repas à tous les jours, rapidement, facilement. Donc, je vous montre que tout ça rentre dans ma petite armoire. J'ai été en mesure de maximiser mon espace et de rentrer tout dans mon armoire. Il y a même encore de la place en bas que je pourrais remplir. Eh bien, c'est là que mes systèmes de cuisson vont venir jouer. Donc, un jour, je peux sortir ma tape ronde et faire un repas. Bang, j'ai tous mes ingrédients, pilon de poulet et riz aux légumes. Une autre journée, je peux sortir mon intellicuiseur. Faire, bam, un orzo poitrine de poulet avec des fèves vapeur. Une autre journée, sans que me casser la tête ni à faire l'épicerie, je prends mon autocuiseur, je me fais un beau ragoût aux saucisses et aux pommes de terre. Je veux prendre mon ultra pro, eh bien, je peux faire des chops de porc avec des bines blanches. Et sinon, ben, j'ai mon micro-grill. Ici, et je peux faire des poitrines de poulet grillées, tout simplement. Donc, en étant bien équipée, bien organisée, je suis en mesure de préparer une diversité de repas facilement en deux temps trois mouvements, puis après, de conserver les restants, que ce soit au frigo ou au congélateur. Donc, je ne suis jamais mal pris. En fait, il faut que je vous fasse une confidence. Présentement, j'ai un petit pépin. Mon congélateur d'en haut est plein, et même celui d'en bas est plein. Donc, il faut qu'on se mette à manger. Il faut que j'arrête de cuisiner pour un petit bout.